Professeur Dorval qui est ensemble avec nous sur ligne là, n'a pas gardé possibilité pour changement de constitution. Professeur a position claire, faut que constitution change. Il dit nous avons conditions idéales, moment propice pour que changement de constitution en fait. Quitte avec le président, quitte la transition, lui-même ça pas regarder, mais faut qu'un changement qui fait avant nous gagner l'élection et c'est pas parlement qui pour faire. Maintenant question c'est qui premier acte qui doit prendre pour quitter la transition, quitter le président pour avancer dans la constitution. Est-ce que nous devons pour que nous mettions la constitution nous là, dans la en veilleuse avant nous avancer dans le changement de constitution. Professeur, vous pouvez élaborer, s'il vous plaît. Je ne vais pas parler d'amendement. Je ne vais pas parler de changement de constitution. Pour éviter tout problème, dans la réforme, dans le changement de constitution. Et quelqu'un qui peut droit fondamental, bah, nous parlons de droits fondamentaux, expectatifs, droits, ça va les droits humains, liberté de la presse, liberté de la presse effectif. Nous allons prendre mon recours. Ok. Moi-même pas, Kilevalo. Bah, en politique. Sauf que, m'observer, je suis scientifique. Sauf que, m'observer, qu'il y a deux thèses qui affronter la première. La thèse du pouvoir qui voulait changer la page de réforme et la thèse de l'opposition qui dit qu'il va faire conférence nationale, il va faire l'Assemblée constituante, et moi-même, je ne suis pas favorable, les mecs doivent faire l'Assemblée constituante. Si l'Assemblée constituante nous fait le même genre d'effet en 87, là, ça fait le arrondissement, 41 arrondissements, parce que vraiment, la histoire là, là, au fin de mettre élu, on pas arrondissement pour aller dans l'Assemblée constituante là, ou t'es 41 arrondissements à l'époque, l'excel, j'ai oué ça, moun qui va faire ça, il n'y a pas de capacité assez, il y a fin de mettre 20 nommés. Jean-Michel dit ça dans le livre, là. Souvenir de constituant. Il vient nommer. Il vient nommer. C'est Don Georges Michel qui vient nommer. Et il y a l'autre monde encore. Parce qu'il y a un problème de capacité. Mais qui sont besoin? Ou besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Qui trouve les commissions, qui trouve le balan, une équipe pluridisciplinaire. Qui compose non seulement de juristes constitutionnalistes, de juristes publicistes, de privatistes, mais qui fait droit de la salle publique, de la salle privée. Parce que pas oublier, la constitution, c'est le droit des droits. Tout droit là-dedans. Il y a tout droit là-dedans. C'est le droit auquel se rattache un paquet de gosses du droit. Maintenant, on va gagner, en plus de juristes de différentes spécialités, on va gagner des mondes qui ne sont pas juristes. On va gagner des politologues, on va gagner des sociologues, des historiens de constitution, tels qu'on est en acte au cours de Moïse, en commission de constitution, des historiens tout court. On a besoin des justiciens. On a besoin de grammairiens, toutefois, pas la bien écrit. On a bien grammairien. On a bien anthropologue, ethnologue, tout ça. On a besoin de géographe, oui. Parce que souvent, vraiment des fonds de découpage territorial. On a besoin de géographe, on a besoin même de démographe, oui. Donc, c'est une question qui est importante. Faut nous prendre le temps pour nous réfléchir sur cette question, pour nous gagner un monde compétent. Parce que ça, qui ça, peuple n'a pas les peuples. Tout là. Mais qu'est-ce que là, dit, oui. Et l'État au service du peuple, c'est ça en besoin. Nous avons l'État au service de la population. Mais maintenant, il faut nous avoir des gens qui ont des capacités, qui pour nous mettre nos équipes pluridisciplinaires, même pas qu'il soit des gens qui ont des capacités, hein, et puis pour nous faire, pour nous prendre le temps. On peut obliger nos démarches méthodologiques, en plus, dans l'histoire pays, dans l'histoire pays. Et nous gardons comment le problème est posé à travers le temps. Nous gardons comment nier. Ça veut dire la méthode synchronique là. Ou la méthode diachronique à travers le temps. La méthode synchronique. Mais on va le garder au niveau du droit constitutionnel comparé. Gardez comment le pays a abordé la question. Il y a le cas de l'Afrique du Sud que je me qui est le cas du Bénin. Un paquet de situations, nous regardons. Nous regardons dans l'Amérique latine qui ça gagne. Et puis pour nous dire bon. Ça pose un problème. Longtemps, nous avons une émotion, c'est contre ma coûte. Nous finissons. Parce que moi, ici, des pour un tel ou contre tel, on a des droits. On a des droits. Tu vas dire, il y a des problèmes. Comment ça? Des fois, c'était la loi.
Moi, ici, nous pas voulu n'être pour un tel contre un tel. C'est normal qu'il y ait pour un tel. Mais là, nous avons pour un tel contre un tel, dans le respect des règles. Au clair, professeur. Je parle au pour un changement de régime. Comme j'ai dit. La démocratie, c'est le dissensus. C'est le dissensus majoritaire. C'est ça la démocratie. Okay. C'est pas que tout le monde pense les mêmes gens. Donc maintenant, c'est comme ça pour nous concevoir la question, hein, de manière sereine, pour nous poser problème. Okay. Okay. Donc, parce que si on va faire ça, si on va au-dessus de la mêlée, donc nous sommes bon, nous dit qu'on a qu'un deux camps, qu'on a, c'est nous-mêmes qui vous connaissez. Qui s'en a fait? Est-ce qu'on a fait dans le cadre d'une transition? Est-ce qu'on a fait comme on a fait, si on a fait avec Moundilaou, comme on a fait? Si on va avec le Moundilaou, c'est qu'ils ont fait, parce qu'ils sont bien faits pour nous continuer à qu'on fait. Mais ce qui m'intéresse dans tout ce temps, nous devons, quel que soit, je répète encore, quelle que soit l'option choisie, avec ou sans président, avec ou sans président, pour le faire constitution. Ok, ou clair que, professeur Doval, professeur Doval, oui, madame, il y a un problème. Bonne quelques... Madame, le pouvoir. Est-ce que cette peuple a quoi pouvoir? Si le peuple décide lui-même, il est en train de parler avec le pouvoir, moi-même, je ne vais pas dire. Ok, ok. On va dire que Castro l'a pas battu, le président se dit sur la bataille. On va dire qu'on va pas faire comme ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là, les armes, nous ne voulons pas prendre le pouvoir comme ça. Mais on va dire rien comme ça. Ok. Au clair que pour l'autre régime politique et en dans la Constitution, c'est clair où exprimer là. Mais en même temps, Constitution nous l'a n'a pas jamais arrivé à appliquer dans toutes les fondamentales. Et qui grand changement ouais qui doit faire dans la nouvelle Constitution? Constitution inapplicable. Tout ça c'est une bataille, oui. Aux tensions qui viennent. Attendez, qui s'est observé comme tension? Mais dans ce cas, nous avons toujours un problème pour nous choisir le Premier ministre. Il y a toujours un conflit. Il y a un conflit entre le président et le Premier ministre. Il y a un conflit entre le gouvernement et le Parlement. Il y a un conflit entre le président et le Parlement. Parce que le président parle en gouvernement, en principe. Mais qui s'est le constaté? Le président gouverne, le président va de gouverner. La majorité reste présidentielle. Pas bien, nous sommes trois pays. Nous sommes des salines gouverneurs, des salines empereurs, qui sont froids, qui sont au président de la vie. Maintenant, ça nous veut, nous avons besoin d'un exécutif monocéphale. Maintenant, le président, pour moi, les ministres peuvent être responsables dans le Parlement. Nous avons besoin, on a dit, bon, vice-président, tout dépend. Et même dans le vice-président, il faut nous dire, bon, hein, si le président n'est pas là, c'est le vice-président, si le président n'est pas là, qui est-ce qu'on va lancer, si le président n'est pas là, nous ne pouvons pas tout le monde qui pourra passer le président. Et si on vacances. Mais qu'on a un réformement de la Constitution, on va voir qui est-ce qui pourrait passer, on va voir quelle solution actuelle. Si le président allait, vous n'avez pas la solution constitutionnelle maintenant. Vous n'avez pas la solution constitutionnelle si le président allait. Qui est-ce qu'on va pouvoir là? Même les bagages des privés, privés des pouvoirs, nous n'avons pas une solution proche de la Constitution. Une solution. Donc, nous prenons parce que nous disons, bon, et puis, Kounia, ouais, président de l'Assemblée nationale prend tête bagala. Mais on va dire que ça, Kounia, là. OK. Maintenant, on a changé le régime politique, là. Donc, on parle d'exécutif municipal. Président élu, mes amis, le président élu, prête serment, il va prêter serment devant la nation, il a investi président. Maintenant, on va l'encadrer pour voir président. Parce que tout le monde peut. On va l'encadrer. Il y a beaucoup. Les droits et libertés sont protégés. Je dis que ça nous protège. Moi-même, ça me prévoit. Si il y a un citoyen dont les droits fondamentaux sont lésés, c'est ce qui est fait en Afrique du Sud, ils vont permettre aux Sud-Africains de saisir la Cour constitutionnelle sud-africaine. Nous avons un exemple sous droit au logement. M'appeler dans le droit constitutionnel, en décision de la Cour. Au droit au logement, de mon cas, qu'a occupé, squatterisé qu'a au monde. On s'en fait, ils font recours, ils viennent mettre dehors, ils ont un décapissement, ils font action pour revendiquer le droit au logement. Si la liberté peut être menacée, mais faut droit son droit constitutionnel protégé, il faut qu'on côté malé. On n'a pas parlé dans la presse, mais il faut l'effectif. Il faut l'effectif. Maintenant, on n'a pas. On ne va pas être décret là. Ok, on n'a pas tout ça. Maintenant, décentralisation. Il faut nous rouler. Fon ouais, décentralisation, génial, pas bon, mais vous êtes mal concevoir. Ou bien Kazek, ça l'utile. Quoi, Kazek, ça l'utile. Moi-même, proposer, moi-même, pour nous transformer Kazek, section rurale, en commune.
on aura comme collectif de base la commune, le grand groupe c'est la région. Ou la région du Nord, avec des universités dans les régions. Pour moi, l'université d'Haïti devient l'université de l'Ouest. Ou l'université dans le Sud. On a des droits dans le Sud, dans le Sud, au Cap, ou dans le Nord. On a des droits dans l'Ouest, ou dans le Sud, dans le Nord. Donc, c'est l'État pour mettre les universités dans le pays. Il y a un besoin de formation dans ce pays. Donc, on n'a pas gaspillé l'argent, on n'a pas gaspillé le temps. Maintenant, qu'on y a département, on a gardé qui ça veut faire avec nous. Donc, on va préférer sur cela. On commence à préférer sur le département. Maintenant, nous gagnons qu'on y a le système judiciaire. Qu'on y a, est-ce qu'on a fait un système judiciaire avec une dualité de juridiction, une juridiction administrative, une juridiction, un ordre judiciaire, c'est-à-dire un ordre judiciaire, ou un ordre juridictionnel judiciaire, un ordre juridictionnel administratif. Moi-même, quand il y a des gens qui disent beaucoup, ça m'a bien, au tribunal électoral, il faut le réfléchir sur nous. Est-ce que les juges seront élus? La question est peut-être un débat. Mais il faut me poser problème, non? Les adhésifs de l'État pas indépendance, qu'on a, nous disons nommé. Mais il faut nous poser problème, non? Est-ce que le fait que nous avons indépendance? Les questions sont posées, en tout. Nous rappelons que les questions posées, il faut nous résoudre. Maintenant, où est-ce qu'on a coup d'école? On a parlé qu'on a avant la ville, coup d'école. Alors que on a parlé de corruption dans le pays, là, dans l'État. Et pas qu'il y a beaucoup d'écoute tous les ans. C'est qu'on a monsieur qui l'a fait un effort. La déchet est annuelle. C'est pour nous mettre dans la constitution. Coup d'écoute, c'est pour nous séparer du contentieux administratif. Ouais, est-ce que nous avons dit, bon, on a séparé le coup d'écoute, s'occupe des comptes, du contrôle des comptes. C'est peut-être qu'on a des comptes. Et puis qu'on a dit, bon, la déchet ne peut pas bailler parlement, bailler ministre, c'est coup d'écoute qui vous fait. Parce que la décharge ministérielle, c'est une arme politique pour ne bloquer les nègres. On est qui sont là. Nous empêcher les qui vont être dans l'État, puis dans l'État. Nous qui étaient parachutés dans l'État. Parachutés. Parce qu'on est qui ministre, c'est naturellement le vice-président. Parce qu'il y a une expérience. Même si elle fait une expérience négative, il a amélioré. Et pas parce qu'elle a fait une expérience négative, il a amélioré. L'homme est perfectible. Donc, même pour cette juridiction mérité changer. Nous ne pouvons pas nous faire une déclaration d'amendement, nous faire l'ex. Après, nous ne pouvons pas si la majorité a fait amendement, a proposé amendement. C'est lui-même qui a venu, qui a venu statuer sur les amendements proposés. Parce que c'est illogique. Moune qui était sa constitution, son soldat était, ouais, c'est Duvalier. Okay. Il manquait des mains expertes. Pas des monde qui était capable. Tout à fait. Il y a un ensemble de grands changements qui devaient faire dans l'amendement, professeur Doval. Je suis d'Haïti. Je suis un Haïtien authentique. Nous sommes là du natif, nous sommes même des IA. Professeur Doval, il y a un ensemble de changements qui devaient faire dans la constitution, hein, au conseil, qui c'est avec en pilote et expert, et ça va le faire. Dernière question à poser. Est-ce que pouvoir te contacter dans ce sens-là? Parce que je connais, il y a un monde qui pour faire consultation, c'est Guichard Doré, lui-même, qui était pour te faire consultation dans ce sens-là. Il y a un contact déjà? Qui est malo? Nous finissons. C'est un peu comme un bâtonnier. Maître Dorval, toujours, ouais, Maître Dorval. Parce que Maître Dorval, comme position, il croit là-dedans, il définit, il assume les positions. Quelqu'un qui va des positions, mais il peut assumer. Ouais. Parce que, voilà, tout le monde besoin de parler avec lui. Actuellement, je suis devenu bâtonnier, je suis une position centrale maintenant. Une position centrale. Non seulement, ma défense avocat, ma défense intérêt pays, il y a intéressé ma monnaie là. Quand je prends la parole, ouais, de moins en moins, je ne vais pas parler parce que, regardez, parce que mon devoir, voilà. Mais actuellement, mon obligation. Non seulement, je suis spécialiste de l'État, je suis salarié, Nous sommes étudiants, nous observons, nous prenons tout le bagage à vous, nous observons. Donc, par conséquent, n'importe qui nous en relève. Pour nous en relève, nous parlons avec moi, bon, c'est normal. Moi-même, ouais, je suis avocat. Moi-même, conseil de presse pour client, mais défendeur du client. Mais toi, indépendant. Là, il a parlé. Loyal et indépendant. Mais pour le monde qui est dans le cabinet, moi-même, qui doit consulter en tant qu'avocat. Ok, vous consultez déjà? Et pour pouvoir consulter déjà, c'est ça? Ou mon malade. Mais c'est ouais. Mais pour ça, mais c'est pas indépendant, pas indépendant même. Moi-même, n'importe qui doit consulter mes droits, n'importe qui doit régler, et nous avons une position de tout. C'est pas seulement au niveau national, au niveau international, nous allons tout. Le jour où on est que les juste à Paris. Ok,
Ok. Ça va régler. Mais est-ce que vous pouvez consulter déjà, M. Deval, nous fini. Est-ce que vous pouvez consulter déjà? Sur ça, sur la bonne constitution. Tout le monde a droit de parler avec moi. Vous n'avez pas répondu à une question, non? Tout le monde n'a pas besoin de droit. Qu'est-ce que je parle, mes amis? Okay. Ma part de manière générale. Tout le monde a droit de parler avec moi. L'opposition, on parle. Quelle est l'opposition qu'on aime tout? M. Deval pas au service de lui-même, non? Je ne m'appartiens plus. J'appartiens au pays. Tout à fait. Je fais le sacrifice de ma vie pour servir le pays. Merci beaucoup, professeur Deval. Que j'aime. J'aime ce pays. Merci beaucoup, professeur Deval. Merci pour disponibilité. Nous avons une grande histoire. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur, pour disponibilité. À bientôt. Merci beaucoup. Commenter lié avec Franck Duval, Daniel pour le bas au lecture là. Et après ça, nous allons commenter avec Franck Duval et Daniel a tourné pour l'autre édito à taux de change, les remèdes portefuit. Lecture Daniel. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean-Baden Dubois, a tenu conférence de presse mercredi. Devant les journalistes, le patron de la Banque centrale a annoncé trois bonnes nouvelles. La première était connue de tous. La gourde a repris de la couleur. Nous ne nous acheminons plus vers 125 gourdes pour un dollar. Si la tendance se maintient, le taux de change devrait revenir à 115 gourdes pour un dollar ou même moins. Les raisons sont simples. La BRH a vendu 47 millions de dollars pour assécher le marché de ses gourdes. Le taux de vente des millions de la BRH était attractif, plus bas que ceux pratiqués sur le marché, et la vente ciblait les particuliers qui pouvaient acquérir jusqu'à 2500 dollars et les entreprises jusqu'à 100 000 dollars au taux bonifié. La politique de vente au taux le plus bas va se poursuivre grâce aux fonds dont dispose la BRH qui avait annoncé vouloir vendre jusqu'à 150 millions de dollars au 30 septembre. Le gouverneur a annoncé qu'il a les moyens de tenir grâce aux 651 millions de dollars de réserves nettes de change dont dispose la BRH. Autre bonne nouvelle, l'Union européenne a versé 3,7 milliards de gourdes dans les caisses de l'État haïtien en solidarité avec le peuple haïtien. Même si la délégation de l'Union européenne en Haïti indique que le paiement de ce montant est conditionné à l'accomplissement de réformes par l'État, cela constitue un signal positif pour les finances publiques. La situation est si bonne que suite à l'apport de l'UE et à celui du FMI au début de la crise COVID, l'administration Moïse Joute a décidé de ne plus tirer sur le financement monétaire qu'elle s'était autorisé dans le budget 2019-2020. L'État va se restreindre. Dépenser moins, c'est le gouverneur de la BRH qui en a fait l'annonce. Même si certains se demandent si on n'assiste pas à un tour de passe-passe qui occulte les arriérés, dettes, dépenses et autres formes de financement d'un État qui enfile les mauvais mois, les informations sur la réduction du train de vie de l'État sont de bonnes nouvelles pour la gourde. Moins de gourdes en circulation permettent à la circulation d'une gourde plus forte face au dollar, c'est mécanique. Bien entendu, au cours de sa conférence de presse, Jean-Baden Dubois n'a pas caché les problèmes qui affectent la bonne santé du taux d'échange. La BRH va pousser pour plus de formalisation de marché dominé par les acteurs informels. La Banque des banques n'a pas autorité sur ce secteur qui capte beaucoup de dollars et fixe librement ses taux, a rappelé le premier banquier du pays. Le gouverneur Dubois a aussi dit et redit que le taux de change est une résultante de ce que font les acteurs et le reste de l'économie. On ne peut pas imposer un taux de change, a dit et redit le gouverneur. Quand les exportations baissent de plus d'un quart sur une année, quand le nombre de visiteurs ne fait que se réduire en peau de chagrin, quand les donateurs ne tiennent pas leurs promesses, quand l'État dépense plus que ses recettes ne devraient lui permettre, quand la production nationale est en berne, quand tout le monde veut épargner en dollars, quand les prix des biens et services sont affichés en dollars, quand l'insécurité limite la circulation des marchandises et des personnes, quand l'économie nationale subit des chocs politiques ou ceux causés par la pandémie COVID-19, quand le change est dominé par le secteur informel, quand tout le monde conjugue les anticipations négatives, la monnaie nationale ne peut pas être au plus fort. En d'autres termes, les remèdes actuels marchent maintenant. Cela ne signifie pas que l'effet va durer des mois, surtout si les conditions actuelles changent. Franck Duval. Merci Daniel. Franck Duval, bonjour. Bonjour Geoffroy, bonjour Daniel, bonjour Alphonse qui parle là, bonjour et glorieuse,
Oui, ni Sénat. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. On plaisir pour notre matin. Il y a matin, pas de café, dis-toi. Oui, tout à fait. On est occupé dans Van Messi. Oui. Ou bien dans Ferrari de Barcelone. Bon, bref, on est occupé. Moi, dans les caisses d'Ibralé. Ou bien dans Formule 1. Par contre, c'est dans les caisses d'Ibralé, c'est dans les signes d'Egonaïve, nous occupés. Même dans Formule 1. Même dans Formule 1, il y a annoncé libre. Bon, il y a une machine là. Conduit. Qui va de côté de l'Ibralé, il y a une brisson à plat. Quel que soit côté de l'Ibralé, à ma velle. Tout à fait. Comme dit madame sur internet là, c'est le rabodaï de mon cœur, on m'a suivi. ça va bon. Et le rabodaï de mon cœur. Là, nous t'avons parlé à toute vitesse vers Goudla, qui, selon spécialistes, qui était capable d'arriver jusqu'à 125-130 dans pas trop longtemps. Mais avec injection sur marché, sur marché A, plus passé 47, environ 47 millions de gouttes pour Kounia là, Goudla, dans chute libre, ils font citer Kefren, Franz Duval. Oui, tout à fait, ils font citer Kefren, et on gros Kefren, parce que d'habitude. Et ça prend à peu près 5 gouttes par mois que Goudla t'apprend. Et là, le gouverneur, grâce à l'injection que le fait de crop frais, de dollars que la vend, eh bien, Goudla ralentit, presque en quelques semaines, ça le doit prendre nombre. Là, j'en parle dans l'édito, comme quoi, il y a une chance pour le tarif, font descendre à 115 pour un dollar. Oui, si ça continue, les gens, ça a fait là, et. Tant que l'État a un dollar pour vendre, et que l'État fait fixer le prix de la 20 dollars, parce que ce n'est pas 20 dollars seulement, non. Parce que l'État décide de 20 dollars là, plus bas que tout ça marché à lui-même l'a pratiqué. Pour un dollar, on va vendre à 118, l'État paraît petit la vendre par là à 115, mais pour la fête pour 115. C'est un dumping étatique. Voilà, c'est ça. L'État prend un dumping dollar sur marché à. Tant que l'État a un dollar pour faire ça, ça marche. Parce que Massia gourmand en pile. 150 millions de dollars, et gouverneur annoncé, c'est pas 150 milliards liés, non? Non, mais c'est ça, je dis, Massia gourmand en pile. C'est pas ça, Massia qui a mangé long après-midi. Oui. Mais gouverneur a plagué le Timosso par Timosso, jusqu'à présent, 47, 950 petits la vendant, et jusqu'à 30 septembre pour le 250 là. D'habitude, l'État a annoncé la 20 dollars, la jambe 20 dollars, la sous papier, la 20 dollars. Il toujours fini par camper parce que il atteint les mêmes actions psychologiques que le veut faire sur le marché des changements. C'est-à-dire montrer que l'ICA agit et l'ICA poussé Mounio et perdu Cob, Moun qui t'a fait de la chaise. Oui, oui. Mais le gouverneur a tout dit, il y a rien pour le supporter ça. Bon, tout gouverneur a toujours dit ça. En France, tout gouverneur a toujours dit, au gain, mais sauf que depuis 1984, là, ces valeurs la prennent par rapport à Goudla pour d'autres raisons. Oui, oui. Bon, au souligner, il y a une autre bonne nouvelle encore qui rentre sur le marché, là, qui peut être capable de faire la situation améliorer. C'est l'Union européenne qui décidait avec 3,7 milliards de gouttes pour appui budgétaire et pour ton petit souffle, oui. Gouvernement qui l'a. Tout à fait. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, là, c'est que Goudla prend force par rapport à dollar baissé. Deuxième bonne nouvelle, là, c'est que l'Union européenne vide comme sous gouvernement. Dans tout le monde qui est dit à bas gouvernement comme là, c'est fait deuxième monde qui baille, FMI te baille, l'Union européenne baille. L'Union européenne dit qu'il y a des conditions à comme que la baille là, mais comme il n'est pas dit qu'il y a des conditions, oui, et comme ici, nous continuons à passer les baille va finir clair, mais pour le moment, on a qu'il y a seulement parti, il y a baille comme là. Et ça va permettre l'État de diminuer un déficit. Et même faire plus que ça, l'État a décidé de camper sous parole, faire déficit. Et ce n'est pas une condition pour réformer l'UE Valéa? Réformer l'Union européenne, dans toute une liste d'institutions, le besoin de l'État agir sur eux. Et nous ne parlons pas exactement sur ça, c'est qui ça qui est dans la condition. Et l'ambassadeur Tabès a fait des déclarations il y a peut-être un mois ou un mois et demi de ça. Il a fait une conférence de presse. Les grands dons humanitaires de l'Union européenne qui t'ont entré, ça, le fonds qui a couvert les cérémonies, ça, il a fait une liste de conditions. Bon, entre autres, pour l'État respecter, ça, l'État dit qu'il faut le faire. J'aime des conditions comme si Mdazola, il faut aller confesser chaque vendredi, il faut prendre communion le dimanche. Non, d'habitude, c'est là-bas, nous disons qu'il faut faire, mais il y a un courage de faire. Pour qu'on encourage à faire le plus bien, on dit si on fait, il y a pas de compte.
D'habitude, nous ne faisons pas ça, nous n'avons pas fait. Même si vous soulignez, il y a un pile qui a fait dans l'État là, qui fait dans le noir, arrière, dette, dépense. Ça, nous ne faisons pas ça. Les femmes du gouverneur font une espèce de parler là, et il dit que l'État, pourquoi j'aime faire tout difficile de dire l'affaire, alors que nous avons l'impression de lire dans notre conjoncture. Banque centrale, que le dégât a 34 milliards, mais le gouverneur a fait addition, fait soustraction, etc. Il dit, bref, l'État n'est pas arrivé là. Et le gouvernement, le premier ministre avec le président, le ministre, met ensemble, il a annoncé que, selon sa gouverneur, Banque centrale l'a dit, il a campé sous parole, fait déficit. L'État va faire une espèce de réduction de dépenses, l'État va faire austérité. Une sorte de cash management. Fait déficit. Ouais. Fait-il? C'est une sorte de cash management que nous donnons déjà. Oui. Oui, mais ça qui c'est, ou dit dans l'éditoire, et depuis qu'il y a moins de goût en circulation, eh bien, goût là, il est capable de faire force. C'est ça, c'est mécanique. Et grand économiste, qui est le Gérald Chéri, qui t'a expliqué ça, il t'a dit qu'il faut rendre la goût rare. Seul, j'ai beaucoup de la gagne valeur, tant que tout l'autre bagage, M. Geoffroy. On est bon fille gagne valeur, folle rare pour garçon gagne valeur, folle rare, mais si semaine ça apprend valeur, eh bien, des pourras ou chers. Ces principes-là, en économie, et c'est un goût de la rare. Et goût d'obsiculer, goût de la rien plus valeur. Tout à fait. Et là, le gouvernement central, là, il y a un problème fondamental, et au souligner, c'est informel qui gagne dans la maquette, là, qui bat le problème. Oui, parce que là, le gouverneur a fait une grande découverte. Et nous parlons de ça dans l'édito, l'autre édito, nous parlons de lui tout à l'heure. Mais il reconnaît que y a un aspect informel très important dans le marché des changes. Que presque 50% d'eau là qui est disponible quand on dans le pays, et bien, il disparaît des radars parce qu'il n'y a pas de banque. C'est le marché informel là qui a fait transaction avec eux. Et le marché informel là, il fixe le prix du benzine. Et le gouverneur n'a pas qu'à prendre sanction contre personne, parce que par contre, qu'est-ce qui marche informel. Ou bien, une bonne réalité là, et que nous obligés à composer ensemble avec vous. Et puis pour... Alors, ce n'est pas moi qui baille, non, c'est le gouverneur, dans la conférence de presse, qui dit tout ça au MDO. Et il ne dit pas dire dans la liste là, comme ça, mais il dit tout dans la conférence de presse, que le débat est mercredi dans la Banque centrale. Oui. De mettre la guerre Charles. Oui. 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 Après... Donc, la liste là. Ah oui, oui, on dit qu'en exploitation, il a baissé de plus d'un quart chaque année. Et, non, en état. De 2019 à 2020, il a baissé déjà de un quart. C'est le gouverneur qui a annoncé ça. Exploitation Haïti vers l'étranger, ça veut dire que nous voyons moins de marchandises vendre l'autre bord, nous entrons moins de dollars. Touristes surtout? Il n'y a pas de chiffre exact, mais nous tous connaissons un pays là qui est Covid. Quand il y a des gens qui entrent dans le pays, a diminué drastiquement, y compris touristes qui sont venus par bateau croisière. Cette section, ça. Campé net, ça veut dire que les gens qui ont des dollars dans le pays parce qu'ils viennent faire vacances ou parce qu'ils viennent pour un petit plaisir ou parce qu'ils viennent en terme ou bien parce qu'ils viennent en obligation, ils diminuent drastiquement. Ben, deux fois, ils ont fait un miroir de cobla, mais ils n'ont pas baillé. Jusqu'à présent, c'est deux seuls manques de cobla, c'est FMI avec le Fonds monétaire international. L'autre, ils ont annoncé à faire aucun cobla. Là, l'État, qui est déjà coûté, mais il va arriver, il dépense plus que ça la rentrée. Bon, là, le gouverneur a annoncé que l'État va laisser pas faire les semaines ça, pas continuer à faire mais l'État, son grand joueur de déficit budgétaire, nous comptons ça déjà, puis au moins l'État fait, je pour financer l'activité ces dernières années, c'est déficit budgétaire, c'est financement monétaire. Quand production nationale, là, c'est pas ça qui intéresse, nous, c'est importer, n'a pas importer. Bon, ça, nous connaissons déjà, Haïti, c'est fouiller la fouille et tombe avec importation, importation, importation qui a augmenté et production pas jamais qu'à déraper ici. Tout le monde voulait épargner dans mon équipe forte là et puis capable de sécuriser l'argent, c'est dollars. Le gouverneur baille Chipio, 59% qu'on baille Seigneur Serre est en dollars, mais son NL passe à 62%. Et magasin au tout prix avec bien service, c'est en dollars affiché, ou dit ça? Le gouverneur dit que le ministère qui est chargé de faire travail, il fait travail pour obliger mon yon fixer prix en good. Mais forme de c'est pas seulement dans le magasin, non, prix en dollars. Magasin, maquette, machin là, oui, qu'on y a commencé à prendre au prix en dollars. Et surtout, loyer, ou bien n'importe quel service, on a pris en dollars. Claire. Conseil de nightclub, vous avez un fil là, M. Alphonse. M. Geoffroy, c'est en dollars pour payer. Oui, et vrai? Vous avez un pour, oui, bon service. Ok. En dollars, oui. Ok, ok. On mettez en sécurité à tout, qui empêchait mon circuler, mon avec l'argent, avec marchandises circuler?
ça a tout les grandes répercussions sur toute bonne marché économique ces derniers temps pays l'ont classé ça le veut dire insécurité dans plusieurs zones dans pays à sur plusieurs routes nationales sur plusieurs zones dans Port-au-Prince. Et ben là on est qui gon camion marchandises ou nos conteneurs pour le faire passer l'oblige à payer un backup pour la sécurité et ben prix ça dépense de sécurité ça l'oblige à mettre le sous marchandises yo. Et économie en tout, et en même temps pour le faire face avec instabilité politique. Et là, et cinq derniers mois, c'est COVID-19 là qui vient d'entrer dans le jeu là tout. Oui, alors économie a pris deux chocs de 2019 à 2020, de juin année passée à juin année ça. Un, c'était choc politique, COVID, et LOC, et manifestation. Et puis après ça, il vient de prendre choc COVID. Et gouverneur a plein pour ça. Marché a été dominé par le secteur informel là. Et dans le secteur informel là, il n'y a pas de contrôle sur lui. Pas de contrôle, pas de sanction. Fixé tout le pour dollars. Les banques l'ont dit la bâche à 119. Les gens l'ont dit qu'il a bâche à 120. D'après où même compte de dollars aller, dollars jeune net 120. Et il y a une anticipation autour, côté que les gens qui sont dans le secteur opérateur. Ça, c'est un plus gros problème. Il y a un conseil de sécurité. Tout le pays a conjugué. Alors, ici, nous ne pas faire sondage, ça. Est-ce qu'on croit demain un plus bon? Eh bien, majorité haïtienne, ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas doux, ils ne sont pas croit demain un plus bon. Ils ne pas croit demain un plus bon, ils prennent précaution, ils ne sont pas investis, ou c'est les corbeaux, ou c'est les corbeaux dans la monnaie qui est plus fort. Monnaie, on connaît qu'ils l'ont cherché, comme là, bien valeur toujours pour acheter son besoin d'acheter. En d'autres termes, nous, c'est les corbeaux, nous, $1. Oui. Parce que nous, c'est que $20, toujours $20. Mais si vous mettez 1000 gouttes d'un côté, parce que, on l'est. Et 100 gouttes, c'est $20, monsieur Jeff. Oui. Et 100 gouttes, c'est $20 américains. Le bon vieux temps. 100 gouttes, c'est $20 américains. Et là, c'est on vrai que. Si vous essayez 100 gouttes, je vous dis là, vous avez quelqu'un avec 100 gouttes, mais si vous essayez $20, toujours $20. Claire, renforcé. Et là, vous soulignez. C'est remettre ça nous jouer Gounia là, il fait marcher le Gounia là. Oui, remettre que le gouvernement a appliqué, hein, c'est-à-dire $20, faire goût de la rare là, un peu de baille solution. Son petit pansement, mais Java en bas pansement. Oui, 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 mais j'ai pas la dia un jour à la fois. Nous venons y faire le dia, on profite. Bon, mais en même temps. Mais nous connaissons que c'est pour remettre définitif. Oui, ça me va. Pour remettre définitif là, il faut corriger tous les problèmes où on se dit là. Exactement. Exactement. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on a tout mis des petits pensées, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a mis $ sur le marché. Le gouverneur a mis $ sur le marché. Voilà. Tout gouverneur a utilisé ZAMSA avec des résultats, mais dans le long terme, résultat est limité. Mais en même temps, vous pouvez me suivre l'effectuation par rapport à $ sur le marché. Vous pouvez essayer à chaque floué, nous mettons nos limites. Nous changeons une fois, nous avons goûté pour ne pas arriver à 50. Nous goûtons 50, son trajet, etc. Et bien, il arrive 50, il dépasse 50. Nous avons goûté pour ne pas arriver 100. Il tombe 100, et puis bon, là, nous avons mettre le cap là sur 150. Bon, là, je crois que c'est 125, le gouverneur qui frappe lui. Et là, pour essayer de finir l'année. Et fiscal là, 30 septembre, là, avec un dollar qui arrive à 125. Mais nous sommes presque sûrs que si les conditions restent les mêmes, spirale là va commencer à alimenter bientôt. Le Nouvelliste hier, Franck Duval, fait un gros annonce. Même qui était au Venezuela, annonce ça. Qui est sorti oui, dans le Nouvelliste journal, annonce là. Le retour du Petit Nouvelliste. Et le Petit Nouvelliste, son journal pour Timoun. Et non, bien dit, c'est Petit Nouvelliste. Et c'est grâce à un partenariat avec UNICEF que Novelis réussit à ressusciter Tinovelis. Tinovelis a besoin d'autres partenaires qui pourraient aider lui. Et d'autant plus que demande de est très forte là. Presque toute l'école a demandé pour envoyer un journal pour eux. Mais ça a un coût et ça a besoin de partenariats pour le café et son large échelle. Tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs autres titres qui étaient sortis dans le journal hier. À la forme de malheureusement, je n'en dis pas devant, mais vraiment pas du tout. OK. Aucun titre, M. Geoffroy. Oui, la BRH a déjà injecté $47 million sur le marché d'échange, c'est ça qu'on a parlé là. Jean oui, Baden. Tout à fait, c'est une titre, c'est une conférence de presse. Hein? Jean Baden Dubois, pas de dépassement du financement monétaire. C'est bonne nouvelle là, non, c'est que le gouvernement a été freiné, le gouvernement va continuer. Jovenel Moïse repart à l'offensive pour la formation d'un CEP. Tout à fait, le président a cherché, l'a demandé des institutions, l'a changé d'institution, l'a gommé pour l'ouest de la méthode CEP sous pied. Et puis, il y a tout, il y a une journal là, Ronald Montes,
un non-voyant obtient sa licence en droit. Une très bonne nouvelle. Il fait sans humain. On persévère ou à privé. Oui, on a un motesse qui était sans humain. Je me déconne et ensemble avec les sans humains, ses amis, non. D'ailleurs, ils font stage tout dans Nouvelle Liste. Dans Nouvelle Liste. Il peut mettre nous un jour la vienne avec saxophone dans la radio pour le venir jouer pour nous. Bravo à Ronald Montes. Bravo. En nous adresse Franck Duval, sans pause, dans l'autre éditoire, c'est éditoire en date là, les saxophones qui aujourd'hui dans le journal de Nouvelle Liste, les trous noirs du système financier haïtien, lecture d'Agneau. On ne connaît pas tous les acteurs qui interviennent sur le marché d'échange. Plus de 50% des devises que reçoit le pays échappent au contrôle du régulateur, car cette somme énorme est captée par le marché informel. Trop d'acteurs du marché d'échange fixent comme ils le souhaitent le taux de change. Toutes ces déclarations ont été faites par Jean-Baptiste Dubois en conférence de presse mercredi. Le message du premier des banquiers était ambivalent mercredi. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti était apparu très en contrôle du système bancaire. Il n'a pas manqué de réitérer la menace traditionnelle des deux gouverneurs qui affirment tous pouvoir dompter le marché d'échange grâce aux réserves dont dispose la BRH et grâce à la panoplie de sanctions qui sont à la disposition du régulateur. D'ailleurs, mercredi, pour la première fois, la Banque centrale a admis avoir sanctionné deux banques. Les raisons n'ont pas été dévoilées, mais le montant de plus de 865 millions de goudes laisse supposer que des fautes sérieuses de la Unibank et de Capital Bank. On espère pour bientôt une publication exhaustive des sanctions et de leur usage. Le même jour, au même endroit, le même gouverneur a étalé la fragilité du système financier haïtien. Comme pour le reste de l'économie, l'informel a le pouvoir, beaucoup de pouvoir. Et comme pour tout le reste en Haïti, l'informel est informe. On ne sait pas qui, ni combien, ni quoi exactement représente ce secteur.